coup, pour la gauche démocrate et républicaine, Monsieur Jean-Philippe Nilor. Oui, merci, Monsieur le ministre. Malgré votre brillante plaidoirie pour nous démontrer les efforts fournis par votre gouvernement, force est de reconnaître objectivement que les moyens humains, matériels et budgétaires affectés à la sécurité des Français sont notoirement et structurellement insuffisants. Mais que dire de la situation des pays dits d'outre-mer et singulièrement de la Martinique? Malgré l'explosion de la délinquance, des trafics de drogue, d'armes, les effectifs depuis des années de la police sont en régression inquiétante. Un tiers des fonctionnaires en activité est en maintien, c'est-à-dire en âge de partir à la retraite. Ils peuvent donc du jour au lendemain faire valoir leur droit à la retraite et on sait pertinemment qu'en l'état actuel, ils ne pourraient être remplacés sur le champ. Deuxièmement, les renforcements deviennent urgents, notamment auprès de la direction de la sécurité publique, où il manque une cinquantaine de fonctionnaires. C'est le cas également de la compagnie départementale d'intervention, une situation initiale de 100 agents, la situation actuelle 57 agents. Donc, on peut parler de sous-effectifs chroniques. Et que dire de la PAF, puisque la Martinique, c'est la troisième baie du monde, imposant des moyens importants de surveillance. Il manque 15 agents aujourd'hui. D'autre part, s'agissant des affectations des personnels de direction, un chiffre qui est suffisamment éloquent, 560 policiers en Martinique, dont 8 commissaires, aucun Martiniquais. Aucun Martiniquais. Le fait que les formations se tiennent quasi exclusivement dans l'Hexagone pourrait expliquer cette rupture du principe d'égalité et de tels chiffres. En Martinique, les recrutements de commissaires s'effectuent sous la base de postes dits très difficiles, alors même que le gouvernement refuse à ce jour que la Martinique soit placée en zone difficile. Une question, pourquoi ces commissaires viennent-ils le plus souvent d'Afrique et banalisent ainsi des méthodes d'un autre temps qui sont très mal vécues chez nous? Sur les mutations, pour un fonctionnaire de Martinique, qui passe son concours en Martinique, il lui faut attendre 9 ans pour être éligible à la mutation, retour au pays. Alors que les contrats de 3 ans se généralisent et excluent l'éligibilité des fonctionnaires de police qui ont passé leur concours en Martinique. Donc sont réservés à ceux qui ne viennent pas de la Martinique et ces contrats de 3 ans se généralisent. Bref, Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour mettre fin à un fonctionnement qui est de plus en plus vécu comme une discrimination de plus au sein de la police en Martinique? Monsieur le député Nilor, vous dire d'abord que je n'ai pas compris un de vos propos sur les commissaires qui viennent d'Afrique. Les commissaires de la République française sont des Français qui passent un concours et qui suivent une formation au droit français et qui évidemment s'appliquent partout. Et je n'ai pas, moi, de distinction à faire sur ce sujet-là. Par contre, il y a, notamment dans les Outre-mer, et ça me paraît important, des dispositions relatives à la prise en compte de ce qu'on appelle les centres d'intérêt matériels et moraux, qui justement favorisent, dans le processus de mutation, le rapport vers un territoire d'origine, et en particulier sur les Outre-mer. Et ça marche plutôt bien, sous réserve quand même de respecter un certain nombre d'engagements, y compris quand vous passez le concours de gardien de la paix, vous devez du service sur votre premier lieu d'affectation, et nous devons travailler sur cela. Mais évidemment, les Antilles en particulier bénéficient de ce dispositif. Sur les commissaires, il faut que nous ayons des commissaires originaires des Antilles qui ont passé le concours, qui l'ont réussi, qui demandent leur mutation, et évidemment nous ferons jouer ce dispositif du centre d'intérêt matériel. C'est la loi, c'est très concret, et évidemment
évidemment, nous devons y veiller. Et puis, soyons encore plus concrets. Vous évoquiez les trafics. Je n'ai pas le tableau des effectifs de Martinique, donc je vais apporter une réponse écrite sur vos chiffres que je ne conteste pas, mais je ne l'ai pas en tête département par département. Mais il faut être très concret. Il y a 10 jours, une interpellation en lien avec l'armée, d'ailleurs, a permis la saisine de 6,4 tonnes de drogue dans les Caraïbes. Ça montre à la fois l'efficacité du dispositif, mais surtout l'importance du risque. Parce que 6,4 tonnes qui rentrent en France via la Martinique, qui peuvent rester en Martinique, qui ensuite viennent sur le territoire métropolitain, c'est autant de risques de vie brisée qui sont derrière. Et donc, il nous faut être particulièrement mobilisés. C'est la raison pour laquelle il faut des dispositifs particuliers et renforcés pour les Outre-mer et sur toute la zone Caraïbe, parce qu'on sait bien que c'est une des routes sur les trafics de drogue, Guyane et Caraïbes, qui implique une attention et une mobilisation particulière. Voilà. Je ne réponds pas à votre question sur les chiffres. Je vous ferai passer des éléments par écrit.